I'm addicted 끊임없이 말을 걸어주는 나의 에스파 이런 교감 너의 존재 날 다른 차원으로 이끌었지 atteindre des vitesses assez. Mais c'est quoi justement la vitesse max? Ah non, tu as raison. Parce que 1000 km/h, je suis en mode gros, un avion, il va à 1000. Un avion, bah oui. Alors, 1 minute 7 secondes. Oh, enfin! Quoi, il change complètement. Oh, je m'attendais pas à ce qu'il devienne gris. Hein. Alors, 1 minute 7 secondes. Oh, enfin! Quoi, il change complètement. Oh, je m'attendais pas à ce qu'il devienne gris. Hein. Oh putain, il en a mis du temps scolaire à arriver. Et c'est une femelle. Oh non, je voulais un mâle pour l'appeler Joker. Et non. Alors, c'est la version. Enfin. Bon, mes chers enfants, enfin, devant du Anaconda Shiny. Alors, je ne. J'aurais jamais pensé qu'il serait gris, en fait, clairement. Je m'attendais à ce qu'il reprenne plus ou moins les couleurs qu'il avait. Il est beau, hein. Il est beau. Alors, on va regarder ce qu'il en est d'Anaconda. Voilà, ça fait une semaine que je le chasse. Hein. Ça fait même 8 jours, c'est le 8e jour. Je suis. Non, mais ça fait plus que ça en fait. Je ne sais plus. Non, ça fait plus que ça que je le chasse. Hein. Bref. Allez, au niveau 65, il a. Tourbi sable, enroulement, souplesse, tempête de sable. Oh, je crois que c'est bon. Je sais pas ce que ça fait tout ça là. Tourbi sable enlève. 1/8 des PV maximum chez la cible au 4e et 5e tour. Ah oui, non, mais tourbissable, c'est un truc qui revient. Oui. Enroulement. Augmente l'attaque et la défense de la pression. Ok, ça sert à rien. Souplesse sans effet secondaire. Tempête de sable. Bon, ça invoque une tempête de sable. Allez! Il a pas un talent qui peut le... faire chier. Expulsable ou bu. Il crée une tempête de sable. Ok, donc il crée une tempête de sable automatique. Oh, putain, bah, bu, c'est intéressant. Alors, la rapid ball, hein, bien sûr. Et elle est rentrée, donc du coup je vais la, j'appellerai sûrement Dunaja Arline et Dunaconda Quinzel. Voilà. Il est franc cage éclé, on s'en fout complètement. Bon, enfin, je suis content.
Je suis très content. Et je la transférerai au plus vite parce que cette Switch là n'est pas au sommet de sa forme. Voilà. D'ailleurs, si vous avez des Switch première génération, dites-moi si vous aussi vous avez ce petit problème de la coque qui, enfin la Switch qui se sépare en deux, elle n'est jamais tombée. Et la Switch est en train de se séparer en deux littéralement. Je pense que c'est la batterie qui est en train de gonfler. Mais ça fait chier quand même. Hein. Ah, il a mu, c'est bon. Je suis content. Prudent de nature. Voilà. Je pense que je peux la comparer avec. Placé là, je pense que je peux la comparer avec du Naja. Alors attention, il risque d'avoir du spoil. Ah non, c'est bon. Alors, on va trier par ordre alphabétique. Voilà. Alors, oh bah ça va, les deux sont à côté. Alors, Dinaja Shiny, Dinaja normal. Et tata, il y a tout qui change. Bah je suis très satisfait de ce petit Pokémon. Et nous ne sommes pas le 7 avril. Hein. Bon, allez, sac. Batrachné. Bah, magnifique, je suis très content. Le prochain Pokémon que je vais chasser sera donc. Alors, ce sera la route 1. Je vais chasser. C'est quoi ça? Un Dynavolt. Je vais chasser soit, enfin ça va être les deux en même temps, mais ce sera soit Midi-Ange, soit Moumouton qui tomberont. Voilà. Je vais pas prendre la tête. Et après je retournerai sûrement refaire des œufs de l'armée Léon. Parce qu'il faut que je fasse des œufs, oui, voilà, c'est comme ça. Bon. Et sur ce, mes chers enfants, je vous dis à plus. Dans le Twicebus. Thank you.